Oh putain. Ouais, timing. Il était juste là. Ils sont deux. Ok, moins un. Je vois pas le deuxième. Je suis fou. Vraiment. Pas de lascar qui m'ont tiré dessus ici là. Visiblement non. Ah, la petite touche, la petite tache de sang sur la Ushanka et il continue de marcher, ça c'est vraiment un régal. Je la prends, tiens. Putain, j'étais persuadé qu'ils étaient deux, je deviens fou. Allez donc. Je sais pas s'il tire sur le même lascar, mais... Niveau précision, c'est délicat quand même. Oh bordel! Reprends la ligne, c'est safe. Merci. Ah.
Putain, j'aurais dû venir avec deux stacks de balles là. Hein. Putain, c'est quoi ce bordel? Il a créé une erreur, moi je l'aurais mis en face. Ah, c'est dans le slip aussi. Are you okay, dude? C'est un scav. Ouais. Je me disais bien, j'ai entendu un mec vraiment faire un tout petit bruit, tu vois. Pas trop se déclarer lui. Bon, j'espère qu'il y a des bonnes balles là-dedans. Oh, ça fera l'affaire. Ah putain, déçu. Touche à ton cul. Putain, mais j'ai même pas le temps de me repréparer. Oh merde.
j'ai encore la solution, donne drill le chargeur 60, mais putain, ça va prendre une éternité, c'est super long. Eh oui, alors attends, moi il y a un truc qui va pas, c'est... Il faut que ça arrête de me faire checker la chambre avec Shift T. Ça, normalement, moi je fais quoi? Je fais... J... Enfin, je sais plus, mais normalement je mets un truc sur double J. Tu constates le souci et ensuite tu retires le bazar. Moi je regarde mon clip settings. Mais moi je le connais pas par cœur. Quoi. Ah, méfiez-vous quand vous entendez Nagro ici parce que il y a un monde où ils prennent la tour, elle c'est con. Changement niveau armure, ouais, le jeu est cassé. Aujourd'hui, tu vois pas de différence si tu mets une Jezel ou une Kirasa. C'est fâcheux. J'ai entendu sprinter mais... S'il prend pas la sortie feu... Je vais le choper quand il va passer les deux trucs en bas là. Ce serait bien qu'il n'y ait pas un scave à ma gauche là tout de suite. Je me grille pas. Et si le feu est allumé, on l'a dans le cul. Un nique ta daronne, sérieux? Bon Dieu. Tout ça à cause d'un putain de scav. Hein. Et heureusement que le gars là, il s'est dégonflé. Parce que vu l'arme qu'il semblait avoir de près, il m'aurait arraché. Je sais pas pourquoi il a pas essayé de rusher. C'est la première fois depuis très longtemps, je crois, que
je me retrouve défoncé de partout sans être mort. Je me demande ce qu'il a comme arme. Est-ce que la couronne m'aurait sauvé la vie ou est-ce qu'il avait vraiment un AIM horrible? Pour une fois que tu peux utiliser le TG. C'est vrai que pour une fois j'aurais pu l'utiliser. Hein. Avec quoi je me suis fait arracher l'oignon à cause du scar sniper. Ça a complètement balancé ma position quoi. Écoute, je meurs pas parce qu'il a du bon stuff. C'est si simple que ça. S'il avait des billes, je serais mort. C'est terrible pour lui. Hein. Mais ouais, 6-3, trop bien. Erreur de jouer sa CBJ, 6-3. M80. Ah non, c'est... C'est un mec d'une autre époque, ça. Révolu depuis. Ah, c'est 100%. En fait, il avait fait un full auto qui faisait un débit pas possible. Donc c'était pas la MDR, il m'a vraiment défoncé à la CBJ. Putain, je saurais pas expliquer pourquoi je survis à ça, parce que c'est... Ah, quoique, attends, CBJ, ça a pas été nerf sur ce wave-ci. Le wave d'avant, ça passait 1, 2, 3, 4, 5. Là, je crois que maintenant, ça galère même sur du 4. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a dû merder en termes d'AIM, c'est une évidence. Et est-ce que la couronne m'a vraiment sauvé la life? C'est quand même sacrément chier dessus le mec. Pas de soucis, chaise amovible et Apo Prime aussi. Pour ceux qui sont pas au courant, messieurs dames, normalement, les BG qui ont commandé un t-shirt pendant le subathon, c'est les premiers envois sont partis aujourd'hui. Il y a un monde où vous recevez ça en fin de semaine, jeudi, vendredi. Je suis deck parce que moi madame elle a fait livrer ça en France. Donc il va falloir qu'on attende qu'elle y retourne. Je l'aurai pas avant le mois prochain. Quel game. Il était level 45 le mec là. Ah c'est très étrange par contre qu'il ait fait demi-tour.
T'as une MCX, t'as une MDR en 7, 45 plus, t'es full stuff. Je sais pas. Il a dû avoir peur d'un vieux one tap juste derrière le bush ou quoi. Ouais, c'est vrai que j'attendais que ça. Hein. Il a cru avoir fait le taf. Oh non. J'arrêtais pas de tousser et tout. Vu que j'avais perdu les jambes, je faisais un bruit pas possible quand je me déplaçais. Bon après, si tant est que le jeu lui ait donné l'info aussi audio, ce qui est pas sûr. On fait 5 kills mine de rien sur des vrais joueurs. Avec le mec du début, j'avais zap. Bonne petite game YouTube ça. Ah, c'est à la CBJ qui m'a défoncé, qui m'a pas tué. Et la CBJ, elle a effectivement été un peu nerf sur ce webpied.